Hi everyone, I'm Hamish Bowden, one of your community developers on Tom Clancy's The Division. Today, you're going to find yourself in New York, where a weaponized virus has been released during the crush of Black Friday sales. But before your journey begins, here are a few tips to help you survive and enjoy this experience. Our game is a cover-based shooter, which means you're an easy target if you stay out in the open. Move from cover to cover by pressing X and protect yourself during combat. Your character can equip up to three weapons, a primary, a secondary, as well as a sidearm. Tap triangle if you want to switch to your handgun, and hold triangle if you want to grab your secondary weapon. Our game is an RPG, and as such, skills will make all the difference in combat. Your character can equip up to two skills, and you can switch them out whenever you feel like changing playstyle. To equip your skills, open the main menu, go into the abilities section, and press X to assign your skills to L1 and R1. If you want to surprise your enemy from long range, using grenades is a great idea. You can grab a grenade by tapping left on the D-pad. Once you've set its trajectory, press the right trigger to throw it and wait for the blast. I'm checking it. If you're running low on health, you can use medkits to get a quick health boost before going back into the fight. To use your medkit, press right on your D-pad. Gotta throw him out! The world map is an augmented reality tool that you can use to explore our open world. You can open it at any time by pressing the touchpad on your controller. Whether it's a main mission, a side mission, or just to explore, you can select your next objective by pressing X to set a waypoint and decide how to get there. This is under siege from whatever criminals have taken over Madison Square Garden. Okay, Agent, now you know the basics to stay alive, but remember, if you want to gear up with some of the best loot in the game, you'll want to venture into the Dark Zone. Be careful out there, and good luck. Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Bon, ça va, vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Eh merde! Le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Y a aucune autre solution. JDF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JDF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai
pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Bienvenue au pied du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez, il dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance, vous allez en avoir besoin. Allez voir l'intendant. Vous devriez le trouver juste de l'autre côté. Amenez-moi un brancard au bout du quai. Abandonner Manhattan quand même. Y a mon frère et sa famille qui habitent là-bas. Ouais, je sais, putain, ça craint. On laisse tomber, on se barre la queue entre les jambes. On a l'air de quoi, là? Passez par là. On va vérifier que vous êtes libre. Cette saloperie de virus touche tout le monde. Il y a des bruits qui courent. Apparemment, c'est moins pire à l'entrée. Au moins, c'est putain de gang qu'on fait. Je te jure. Je comprends qu'on soit obligé de porter ce truc, mais attends. C'est comme si t'étais dans un gros costume en carton. On peut pas bosser comme ça. Ça me rend dingue. Qu'est-ce que tu veux voir? Nous rappelons aux membres du personnel des cliniques A à F qu'ils doivent utiliser une combinaison protectrice de niveau B, ainsi qu'un respirateur autonome à adduction approuvé par la NIOSH. La décontamination de l'équipement et les douches sont obligatoires avant de quitter la clinique. Les membres du personnel des autres cliniques les temps sont durs. Utiliser des masques respirateurs à filtre baissant à leur discrétion. La meilleure marchandise, c'est par ici. Alors, quelque chose t'intéresse ? On se reverra, j'en suis certain. Je peux pas continuer. Je vais crever ici, c'est vrai. On aurait pu être en Floride. Je vais jouer des enjeux.
ainsi qu'un respirateur autonome à adduction, approuvé par la NIOSH. La décontamination de l'équipement est obligatoire avant de quitter la pièce. Les membres du personnel des autres équipes peuvent continuer à utiliser les masques respirateurs à titre payant à leur discrétion.
Desearía saber cómo pagar. J'ai faim. Ça vous embêterait de pointer ça ailleurs? Bah voilà, là, d'accord. Lui, il est pour moi! Voilà, je suis... Alerte. Communication radio JTF interceptée. Nous essuyons des tirs d'armes légères. Je répète, nous essuyons des tirs d'armes légères. Des pillards nous ont repérés. Si quelqu'un de la JTF entend ce message, répondez. Traçage du signal. Analyse terminée.
réfléchiront à deux fois avant d'attaquer une patrouille de la JDF. Prenez pas de risques inconsidérés. Vous avez été là au pire moment. Merci. On n'a pas eu beaucoup de chance lors de notre mission à Times Square. Je peux pas continuer. On s'en sortira, vous en faites pas. C'est le destin qui décidera. Balise d'écho actif détectée. Merci de votre aide. Tenez ! Faites-les durer ! D'accord ? Cette nourriture est à nous, maintenant ! Alors vous posez tout ça par terre et vous vous barrez ! Allez, arrête tout. On va au Garden. Benitez n'a qu'une idée en tête, libérer Times Square. Centrale, ici Phalo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyez... Envoyez-le tout si vous pouvez. Hé, hey, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Alerte. Connexion au canon radio JDF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Dites-leur de se dépêcher. Monster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go! Oh, voilà.
centrale. La situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en baisse. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins, par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base, de manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. Quelque chose pour toi, crois-moi. Le meilleur du quartier, c'est ici. Et bonne chance, surtout. Putain, je suis fatigué. S'ils attaquent le Madison Square Garden aujourd'hui, dès demain, ils s'en prendront à la base d'opération. Tu repasses plus tard ? Hey, t'as besoin de quoi ? Meilleur matos ! Allez, viens voir ! Putain ! Et bonne chance, surtout. Les contrevenants seront immédiatement expulsés. L'aile technologique a connu des jours meilleurs, mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile.
Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Pour les civils, mais pour nous aussi. Hé, t'as besoin d'aide ? Bonne chance à vous. Regarde un peu tout ce que j'ai là. Ouais. Allez, salut. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en ferai un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent prisonniers le Dr. Kendall et ses assistants. Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. On va rester ici pour couvrir vos arrières. Et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Je vous embêterai pas, mais bravo. Putain, mais je vous
Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. J'y suis. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. On dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. Ils sont assez nombreux, mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Obligez-le à sortir. Foutez-moi ça. On va les niquer.
sortir. Achevez-le, putain. Plus de balles. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. Apparemment, ils ont complètement saccagé le Garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Ils l'ont eu.
Restez à l'abri et vous faites pas repérer. Attention, élément hostile détecté. Des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. On est bloqué. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Escorte Alpha, on a un agent sur le toit. Est-ce que Kendall a rejoint votre position? Affirmatif! Elle et son équipe viennent d'arriver. Dès qu'on élimine les ennemis du toit, on les emmène en sécurité.
Pascal est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Vous faites du super boulot, mais ne vous relâchez pas. On vient juste d'arriver, et ils veulent déjà qu'on parte. Merde, c'est qui donne les ordres ici. Tu vois, tu as déjà réussi à toi. En serait-il, parce qu'ils n'ont pas croisé, ils m'ont regardé comme un con. Oh, les jeux, c'est pas la peine de la ramener, ok? Ouais, bon, désolé. Jusque là, c'est la propre pizza. J'ai même pas eu le temps de la chercher. Regardez qui est là! Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux. Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le CERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir, carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps.
Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Je me demande quel sale coup nous réserve le colonel Bliss à l'ONU. Hey, viens jeter un œil ou je vais tout vendre. Hey, regarde ça. Une autre fois, peut-être. Viens voir ça avant qu'il soit trop tard. Ça, c'est de l'amélioration. Vous devriez augmenter vos tarifs.